Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Kale Kwacho, côté nous pour parler de actualité dans le milieu haïtien. Non pas Mr. Stacy, but you can call me Splash. Si vous intéressé connaître plus de talent qui a évolué dans le milieu, si vous intéressé gagner une conversation difficile que l'autre n'a pas osé gagner, restez branché. Nous pas faisons, mais nous Kale Kwacho. Invitez-nous gagner avec nous aujourd'hui, si nous t'apprenons assez, si nous t'apprenons chercher pour nous décrire, nous n'avons pas bien assez de mots, nous n'avons pas bien assez de temps. C'est un monde qui mettait tellement pile chapeau dans le milieu haïtien, surtout dans le cinéma. Si on parle de cinéma haïtien, on ne peut pas parler de Baba. En plus, nous connaissons sur le nom de Baba, mais avec nous aujourd'hui, nous avons Monsieur Rénal Delerme. Bonjour, bonsoir, comment vous êtes? Bonjour, bonsoir, Stacy. Moi... plus que bien, parce que je doute fort que le monde ait un privilège de Bokoto pour ne pas sentir bien. Well, plaisir là, c'est pas. Je connais un monde qui est très occupé que vous êtes. Merci parce que vous prenez le temps pour venir dans le show. C'est un honneur. Bon, pour même pour Joël, je ne vais pas m'occuper. Merci, merci, ça fait plaisir. Quand a, même j'aime dire que you go by Baba. Why Baba? Et pour même raison, l'on m'a dit Sylvester Stallone ou Di Rambo. Et Baba, c'est un personnage que j'ai incarné dans la série télévisée que j'ai créée dans la télévision nationale d'Haïti, dans le château au 20e siècle. Donc, j'ai vu jouer le rôle de Baba. Et puis, bon, Baba, il était pour moi. Il était. C'est même genre, la majorité de monde, là où était Théodore Bourbon. Et c'est Langui Chatio, il va être Théodore Bourbon. Là, il est Azibé. Tout le monde sait Azibé, il va avoir Renel Del Soin. Donc, c'est ça qui fait non Baba arrêter pour moi. Okay. Et je viens de non Baba parce que il y a une chose qui est très intéressante dans non Baba. C'est deux syllabes qui sont même bagaille là. Baba. Il est simple pour songer, il est simple pour prononcer. Mais, où on est, on va nous dire en français, c'est le ton qui mène la chanson. Donc Baba, ça dépend de gens qui ont prononcé Baba, qui veut dire un pile bagay. Ok. Il y a des gens qui disent Baba, comment est-ce? Il y a des gens qui disent Baba. Il y a des gens qui disent Baba. Donc tout dépend de gens qui prononcé Baba, ça veut dire un pile bagay. Qui est-ce qui préfère? Préférer c'est les gens qui ont dit Baba. Baba. Oui. Oui. Bon, fun fact, je suis bien content que vous mentionnez Languichat. Grand pile moi-même pour commencer me connait que ou t'es involved avec Languichat. Par contre, on grandit connait qui est Languichat, garder Languichat. Oui. Et on connait que ou t'es gain PVS ou t'es travaille dans la télévision nationale, mais est-ce que c'est Languichat qui fait rentrer dans le monde cinématique là ou bien c'est non, c'est l'inverse. C'est moi qui mettais Languichat dans le monde audiovisuel. OK. Et Languichat, c'est un géant, c'est un grand, il n'y a pas à sortir de là. L'aime des petits, dès qu'on a regardé Languichat dans Rex Théâtre. Et je suis parti à Boston, c'est là par un de vous me faire high school. Et après l'école, je suis regardé I Love Lucy. Un épisode qui était fait en noir et blanc. Et chaque fois que je regardé I Love Lucy, je me dis, qu'est-ce bah ouais, rien non. Wiki Ricardo avec Lucy Ball a fait là que Languichat pas qu'a fait. Donc j'ai toujours un rêve d'enfance, un rêve d'adolescent ça que un jour me t'aimer camper Languichat dans un feuilleton télévision et dans cinéma. C'est ainsi qu'après Boston, je viens de son université de Miami. C'est là me viens décrocher bachelier moi en beaux-arts. Me spécialisé en cinématographie and television broadcasting. Je suis retourné en Haïti. Le premier job professionnel, moi, c'est une télévision nationale d'Haïti. Et j'ai un directeur à l'époque qui était Jacques Lemaire, qui était assez ouvert à certaines idées. Et bien que le job n'est pas réalisateur, créateur, dedans, non, parce que le premier job que j'ai offert moi en dedans, c'était le job machiniste. Alors imaginez, je débarque à Haïti avec un gros diplôme à l'Université Miami. Et puis, je me suis offert mon job machiniste. Bon. Oui. Parce que je me dis, bon, écoute, c'est à papier, je suis venu. Je dis, par contre, ça qui est dans la tête. Donc, bon, je me suis occasion pour le connaître ça qui est dans la tête.
C'est ainsi que la première émission que je viens de créer dans la télévision nationale d'Haïti, c'est une émission qui est réalisée en studio avec Pierre-Richard Pratt. Un studio qui est à peu près légèrement plus grand que le studio ça. Okay. Mais à l'époque, il y a un Canadien, c'est lui qui était à la tête de la réalisation dans la station. Et monsieur te dit que le seul bagage qu'on a fait dans le studio, c'est mettre deux personnes chita faire une interview. Et puis le directeur a parlé de ça, le directeur a mon projet d'émission, il m'a soumis à l'émission, il m'a dit ok, je vais déposer l'émission, bon, on est avec le faire d'université, donc nous avons comment pour écrire à faire nous. Et puis monsieur a gardé lui, on l'a dit 21 ans. Ok. 21 ans. Donc vous êtes jeune? Jeune, très jeune, je commence très jeune. Ok. Et je finis l'école à 20 ans et demi. Parce que je suis toujours dit tête, moi je viens aux États-Unis, je viens à l'école après ça, je retourne à la carrière. Donc pendant le sommet, je suis dans l'université, je prends un compte crédit pendant le sommet. Donc je finis l'université avant 4 ans. Je suis même dans le diplôme, je retourne à Haïti. Et je me propose monsieur émission qui était en studio. Monsieur dit, ça, au café dans le studio, nous sommes en bas. Je dis, monsieur, mettez-moi à l'épreuve. Je dis, ok, qui sont besoin? Je dis, monsieur, mais ça me besoin, je besoin des corps, besoin ceci, je besoin cela. Tu as un animateur en docteur, il est Pierre-Richard Pratt. Donc c'est lui-même qui était le premier présentateur d'émission régulière de la télévision nationale d'Haïti. Et moi, j'ai monté la CAI Disco, peut-être trois jeunes, on va consacrer la CAI Disco, qui était dans Pèlerin. Et je rencontré Claudette et Tipierre. Claudette, c'est ton aveugle. Et non. Et Tipia, c'est ton aveugle qui était joué homme. Et puis Claudette, lui-même, il était chanté. Il était chanté régulièrement dans le club là. Je l'ai invité à venir participer dans l'émission. Et puis, ils font une émission avec deux stages. Un stage qui a fait interview et puis un stage qui a une performance artiste. Et me dit directeur, je vais comme si tu as fait live. Et de 0 à 30 minutes, je vais faire une émission live en deux studios. Et c'est ainsi que M. Vingé, au minimum de confiance dans la potentialité. Mais est-ce que tu as réalisé anything before that? En pensant que c'était la première réalisation? Et dans la télévision nationale d'Haïti, c'était le premier. Okay. Bon, je l'ai réalisé à l'université, à l'école. Okay. Mais okay. Ça, c'était vraiment le premier projet. Okay. Et c'est ainsi qu'après ça, je suis venu rencontrer avec Azibé, Renel Del Soin, qui était professeur dans l'école Papam, l'école Frère Polycap, qui est dans oui, Monseigneur Guillaume. Bon, je ne pas comme ça. Pas mon cap. Et Wenel lui-même dit Wenel, attendez, j'ai une idée dans la tête, même si l'idée m'a gagné depuis Boston. Et je me suis rencontré avec Théodore Boubre pour me proposer l'idée ça. Monsieur dit, pas de problème, je vais parler ça à monsieur et puis je vais faire rencontre pour vous. Premier jour, rencontre là, vous êtes fait, ah, mettez mon frère, bonjour. Mettez veste sur moi là, et puis rencontre là, pas fait, tout ça. Peut-être une semaine après, je suis sur Rue du Quai. Mais pour qui ça rencontre la pas de fête? Bon, c'est des grands contre-temps. Une semaine après, je suis dans Rue du Quai. Je suis à l'époque, je suis dans Ford Capri Rouge. Et pour les gens qui sont à Haïti, je connais un peu le monde qui suivent là, je suis allé à ça. Rue du Quai, sur Rail, c'est là où on est. Là, on a un gros cob, c'est là où on a rangé auto. Donc, Rue du Quai, m'a rangé auto, je suis allé à MBC, parce que MBC était dans le rez-de-chaussée dans Rue du Quai. Et puis Azibé vient apparaître, Wenel vient apparaître. Je dis Wenel, alors comme Wenel, c'est là qui était comme bâton l'école, parce que monsieur était professeur. Je dis monsieur, pourquoi je suis à Théodore? Je dis moi, bon, monsieur, vous avez une émission pour finir tout à l'heure, oui là. Vous parlez de tout descendre, vous parlez à monsieur. Et puis je me regarde, quand on m'a eu blanc sur moi, quand je répare auto, ça veut dire tache graisse sur auto, je dis Wenel. Et puis monsieur dit non, pas envie pour non, monsieur, pas bon pour ça, non. Pour mettre à rencontrer monsieur. Et puis c'est comme ça la première rencontre en fait. Je proposais l'émission, hein? Monsieur d'accord. Dans la Kaili, nous montons plein d'émissions. Hein? Et puis nous avons porté projet à bail, directeur de télévision nationale d'Haïti, qui était déjà gagné un bon rendement avec moi dans la première émission que je fais. Hein? Et puis il dit combien ça va coûter. Je dis monsieur, bon, on va négocier avec Théodore pour nous connaître combien on a payé lui, mais ça en a besoin de filmer quand même, monsieur. Et puis voici la naissance de Languichat au 20e siècle. Okay. C'est pas encore la naissance de Baba, non? C'est la naissance de Languichat au 20e siècle. Ok. Et Fomdo, j'ai rencontré un nègre extrêmement sage, en Théodore. Et en pile de sagesse que je joins là quand je dis, je prends le monsieur. Parce que je me considère comme un mentor. Parce que le premier jour où je rencontre un monsieur, c'est moi-même, 21 ans,
qui va rencontrer Toro ça. Donc, je me demande quelle langue vous me parlez. Je ne parle pas espagnol à l'époque, donc je ne sais pas si c'est espagnol que vous me parlez. Et puis, je rencontre un homme qui est très sage. Dans quelle année aux environs de Cadiz? Oh là, on a parlé en 1979. 79. Ah, c'était vraiment way before Funeral. Oh oui, oh oui, Funeral sorti en 86. 86, ok. On a parlé en 79. On a parlé de série télévisée, Télévision Nationale d'Haïti. Nous rencontrons monsieur en 79. Nous commençons à travailler sur série en fin 79. Et pendant l'été 80, nous filmons à peu près de 10 épisodes. Parce que nous tiens à ce que nous ayons au moins 10 épisodes. Ça américain relé in the can avant même que me fait première diffusion et première diffusion était faite en octobre donc et, ça c'était 79 cinéma pour venir lui-même en 86 donc c'est lien ça me besoin faire qu'on y a pour sortir de série avec Languichard faire comédie avec le grand écran comment transition en fait bon m'te major dans cinématographie m'ai pris un minor dans télévision broadcasting. Et m'rivé à Haïti. Haïti vierge au niveau industrie cinématographique. Et je vais m'expliquer. Film de qu'on fait en Haïti. Mais il y avait pas une industrie. Il y a un pile monde qui t'ai fait film avant moi et me parler à pile dans yo, me rencontrer avec un pile dans yo, me parler de Raphaël Steins, me parler de Mancuso. Et bon, c'est des noms qu'on monde doit connaître dans le cinéma ici. Et ça fait des moments, on a fait une interview avec lui, on dit non, 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 t'es un pilote. Rasoul Labussin, ok, Bob Lemoine. Donc c'est des gens qui te font faire film avant. C'est des films que m'te ouais qui t'a inspiré moi tout. Donc, je suis arrivé à Haïti en 79. Pas de industrie, dans le sens que, je ne dis pas que c'est un bon film, non. Il y a un bon film qui était fait, mais pas de grande industrie, dans le sens que le cinéma n'est pas un business à l'époque. Le cinéma est simplement une œuvre d'art. So, would you say that ou aider à l'essence industrie haïtienne quand il s'agit du film haïtien? Il y a 6 ans que je fais une étude à travers toute Haïti. Pour me camper aux industries du cinéma en 1986. Qui ça me parlerait aux industries, qui ça me parlerait au business du cinéma? Cinéma en tant qu'industrie, c'est pas faire film seulement. C'est distribution. Sous pas gain distribution, pas gain cinéma, ou pas gain industrie. Donc, me passer dans tout pays hein, et l'aime de tout pays, me fait tout pays, hein, m'aller chercher bien tout monde qui gain salle cinéma, propriétaire salle cinéma. Je cherche à comprendre qui ça qui cause que Bob Lemoine te fait un film, c'est avec difficulté, il te fait un deuxième. Qui ça qui cause que Mancuso fait un film à la misère pour Rodrigue, il ne fait pas un deuxième. C'est parce que pas de bon réseau de distribution en Haïti pour le cinéma. Il y a une belle idée dans la tête, même son grand tailleur, qui a fait un pile bel costume. Mais on va mal faire costume, il faut mal regarder qui côté, on va distribuer costume. Donc pour le cinéma, pour que le vin ou l'industrie, c'est même pas galère. Donc là, je me rencontre avec tout propriétaire de salle, ça y est. Donc je viens voir qui côté, je vais passer le film. Quand je viens regarder, je viens faire une étude sur combien de temps je vais rentrer en Haïti si je passe le film dans toute salle. Je viens rendre compte que même si je passe le film dans toute salle, je ne vais pas rentrer comme je mets dehors. Si moi fais tournage moi sous base pellicule like on film film n'a coûté cher pas gain laboratoire en Haïti faut me rentrer Miami vin process film là vin faire montage là pour me remettre sous 16 mm ou 35 mm c'était trop coûteux et à l'époque de 83 84 c'est l'époque que technologie a commencé à avancer. Dans le sens que projection vidéo grand écran commençait abordable. L'endroit abordable, il était existé, oui. Mais en 83, pour acheter un projecteur vidéo qui t'a qu'abord une image décent sur grand écran dans Triumph, dans Rex, il y a besoin de 50 000 $. Attendez, on va parler de 50 000 $ aujourd'hui, non?
n'a pas les 50 000 dollars en 1983, oui. US dollars? Okay. US dollars. Donc, moi, je dis qu'il faut m'étudier une autre façon pour me faire cinéma. Mm-hmm. Et dans la recherche, même, je viens de voir qu'un Indien a fait cinéma sur vidéo. Il y a une exposition technologie à faire dans New York, je m'achète un ticket pour plonger New York. Quick question. So, before nous continuons dans ça. Oui. Ou fait étudiant, ou un bachelor ici aux États-Unis en Boston. Oui. Pour qui ça, ou t'es comme si facilement commencer travail ici plutôt. Pour qui ça, ou pas faire décision ça, ou décider de rentrer à Haïti pendant que t'es connais qui challenge ou t'es quoi jeune. Et malgré l'on rentre au jeune job là dans TNH, ou prêt, tandis que t'es qu'à tourner et pour t'es qu'à jouer un job ici plutôt. Bon, numéro 1, je suis toujours dit que je viens ici pour m'étudier, pour me tourner à la servir là quand même. Numéro 2, qui impact nous allons faire ici? Bon, je vais faire un impact quand même. Mm-hmm. Mais l'impact que je voulais faire, c'est dans le pays que je voulais faire. Donc c'est pour ça que je suis retourné en Haïti. Et même télévision privée n'a pas coexisté en Haïti au niveau on clair. Tu as Télé Haïti qui n'était pas à cap, et puis en 78, 79, vous avez une télévision nationale d'Haïti. Okay. Donc je suis rentré sur le terrain vierge. Alors, il faut me dire, bon côté, oui, je suis rentré sur le terrain vierge. Tout. Parce que vous avez une possibilité pour épanouir beaucoup plus. Donc, j'aime d'abdou, là, arrivé à New York, et puis mal dans l'exposition, moi, ouais, mon projecteur, qui était le Wunko. Et l'aime garder le projecteur, tu as la lumière dans la salle, côté projection à ta faire. Et puis, j'ai même peur à le côté technicien pour me demander combien il vend. Et puis, je me suis dit, mon projecteur à 25 500 dollars. Et puis, je me dis, bon, voilà, mon cinéma commence. Faut-il penser que c'était trop cher? Parce que pas oublier nous, faut payer 50 000 dollars pour acheter un projecteur général électrique. Donc là, c'était possible. Et puis, bon, 5 500 dollars pour un jeune garçon qui travaille en Haïti. Et à l'époque, nous sommes j'ai touché 450 dollars ici, c'est pas moi. Bien que parité était presque égal à l'époque, oui. Et bon, je vais terrain, bisoton, je vais terrain. Je vais acheter un projecteur. Pour faire cinéma. Pour me faire cinéma. Est-ce que vous pensez dans ce moment-là, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée? Très bonne idée. Okay. Excellente idée. Donc vous ne regrettez pas? Je ne regrette pas. Pas pour moi personnellement, non, pour Haïti et pour le cinéma ici. Donc, un pas qu'on dit que vous pas senti que vous avez fait ici, là, est-ce que vous sentez que vous avez fait dans la communauté haïtienne? Là? Bon, je regarde des nègres comme Samuel Vincent, je regarde des petits moi, Marc-Anthony Delerme. Je regarde Feu Patrick Barthelmy et je cite un pilote nègre qui vient rentrer dans le cinéma parce que je te montre que c'est possible. Je vais te montrer faire cinéma. Bien que j'ai un pile qui vient de côté, nous dialoguer. Mais je te montre que le cinéma haïtien est possible en tant qu'art et en tant qu'industrie. Et puis, nègre vient emboîter le pas. C'est une raison qui fait que je n'ai pas fait film. Des derniers films moins c'était avec Papa Pierre, Jab Baba. Mais c'est votre last project, dernier film? Quoi, c'est dernier projet? Dernier projet que qui pour vous ou bien dernier projet dernier travail projet que je travaille sur lui? Quoi, c'est deux derniers projets, c'était Jab Baba avec Papa Pierre et puis deux sœurs. Depuis le ça, on pas fait projet encore. Pour qui ça on pas fait projet? Est-ce que vous pensez comme si ou retired ou bien on prend une pause ou à gérer partie business là qu'on y a parce qu'on est ou busy qu'on y a là, ou you just like the businessman. Depuis les troubles politiques en Haïti et fermeture de salles de premier visionnement, yo, moi je vais parler de Capitole, Rex, Triomphe, Impérial, il y a un gros manque à gagner dans l'industrie. Il y a une règle dans le cinéma. Un cinéma doit satisfaire tête li la caille d'abord. Qui veut dire que si je mets un cop dehors pour me faire un film haïtien, il faut que je rentre cop là avec bénéfice en Haïti. Et c'est en Haïti que je fais cop dans le cinéma. Je vais passer un film en diaspora, oui. Mais ça, c'est icing on the cake. Et depuis certains troubles qui viennent en Haïti, Imperial vient fermé, ou vient en 2012, donc vient pas de moyen vraiment rentabilité film. Et il y a deux types de filmmakers, deux types de cinéastes. Il y a le cinéma d'auteur et puis il y a le cinéma commercial.
moi fais partie de la génération de cinéma commercial, mm-hmm. pas cinéma d'auteur. Cinéma d'auteur, son nez qui font film, li pa wè qui côté le pour l'entrée comme que le sortir, c'est pas ça qui intéresse. Son message il veut passer, c'est pas minimiser mm-hmm. non, parce que c'est pas haïtien seulement qui fait cinéma d'auteur. Et américain fait cinéma d'auteur, il y a un pile monde qui fait film documentaire, un pile français fait cinéma d'auteur. Et il y a un message que vous voulez passer, un pile là vous conjoint aide pour financer yo. Donc c'est pas un film qui a vocation commerciale pour aller passer dans salle de cinéma pour un grand public payé pour Vinoël. Moi me fait génération de cinéma commercial là depuis le premier film moi, parce que me t'ai toujours dit pour quelle raison Bob pas fait un deuxième film parce que le premier film il a été réussi. Et c'est parce que distribution pas existé. Bon, journée jeudi, hein, distribution cinéma ici, il pas existé. Il y a pile bon film qui sorti. Ouais, me l'emmène Samuel, me l'emmène Tony et me t'ai distributeur tout, me t'ai qu'on acheter film pour moi faire distribution pour monde. Donc raison qui fait pas faire film c'est parce que bah quoi qui côté moi le vendre costume là mais ok parce que on connaît que dans moment là où investir ou gagne un pile bagarre ou investir la donne est-ce que ou pas jamais penser que ok capital fermé peut-être que m'te ka take over ou bien ouvert pam juste comme si créer un moyen pour ça que me perdu en nous rejoindre juste pour quand tu li difficile pour un cinéaste ouvert en salle cinéma. Parce que c'est très coûteux. Vous pas seulement un cinéaste ou aussi un businessman. Oui, même pas gagner assez quoi pour m'ouvrir en salle cinéma. OK. Moi pas gagner assez quoi pour m'ouvrir en salle cinéma malheureusement. Mm-hmm. Et majorité cinéaste nous pas gagner assez quoi pour ouvrir en salle cinéma. En salle cinéma, c'est une entreprise qui intéresse un homme d'affaires en tant qu'investissement. Mm-hmm. Et investissement qui supposé intéresser homme d'affaires là faut que mon monde qu'à l'expliquer mais qui côté il fait comme lui après la fermeture de Imperial Rex Capitol l'état haïtien était venu acheter Ciné Triomphe et l'état haïtien acheté Ciné Triomphe on était venu contacter monde qui responsable Ciné Triomphe yo et ceci c'était sous Martelly c'était Robert Denis qui était responsable Ciné Triomphe. Je me suis contacté en tant que distributeur. Mm-hmm. Parce que je voulais commencer à faire Triomphe fonctionner encore. Et c'est le 23 décembre, je suis ouvert Triomphe. Ah, c'est une merveille. Mm-hmm. Moun vide, moun débarqué, puis peut-être en janvier, la politique prend le dessus. Et puis tout le bagage vire tête en bas. On est même du politique, mm-hmm. donc on est encore tout le bagage. Yeah, ouais. Mais l'objectif que je gagne dans Triomphe, c'est parce que je connais que. Hôtel qui Pétionville là, Ibolé, non, c'est pas Ibolé le nom. Oh là là, comment ça s'appelle cet hôtel là? Hôtel très fameux à Pétionville. Et c'est, quoi, c'est Boulos qui était venu acheter hôtel là, il était pour un village, El Rancho. Mm-hmm. Et Gontizoré qui dit moins que monsieur gain intention peut-être ouvrir un complexe cinéma à El Rancho. Qu'on y a là? Bon, ça a peut-être 3 ou 4 ans. Ok. Donc, on y a là, mal des triomphes, c'est pour accumuler des données mm-hmm. sur papier au niveau chiffre ou recette. Parce que M. Sonek qui investit dans maquette, M. Sonek qui investit dans restaurant. Donc, imaginons qu'on a montré M. sur papier que cinéma haïtien. Ka fait 500 à 1000 moun mm-hmm. vini nan cinéma là chaque jour. Mais ça quoi l'intéresse monsieur c'est pas ticket non que m'a vendre. Imaginons ou mettons un restaurant en dans cinéma et puis m'ka bo trafic 500 à 1000 moun par jour. Mm-hmm. C'est ça quoi l'intéresse parce que c'est là comme là. Là le cinéma, ça le cinéma va faire comme dans film là. C'est compagnie qui fait film là qui fait comme là vraiment. Ça le cinéma qu'on prend 10% seulement 20% sur recette. Mais là, le McDonald's, vous payez un coca à 99 centimes. Mm-hmm. Vous comprenez comment vous payez un coca dans le cinéma, oui? Oh oui. OK. Même quand c'était au pays, dans l'aéroport. Voilà. Donc, c'est là qu'on blague. Yeah. Donc, c'était là le projet. Mais malheureusement, bon, il était en bas, tout bas, il vient camper. Donc, je n'ai pas fait film encore. C'est parce que je n'ai pas de monde qui a investi un goût dans le bagage. Si je n'ai pas écouté, je n'ai pas pris le goût là. Et si je n'ai pas
qui côté moi faire bénéfice dans milieu. Voilà. OK. Now parce que non tant à vivre qu'on y a là tout bagaille en ligne, tout bagaille sur internet. Oui. Pas vraiment grand pile monde qui aller dans cinéma encore même ici parce que mon jeune ni sur Netflix, oui. You know, Disney Plus, Prime, yo fait le plus facile. Bah son bon bagaille. Mais pour qui ça? On va faire transition. Oui. Parce que c'est possible, possible possibilité à là. Communauté n'a pas aucun pouvoir d'achat qui pour répondre à exigence financière ou entrepreneur Cancun online. Il y a des gens qui parlent que les opérations film online, ils font quoi? Il y a des gens qui disent qu'ils font $700 dans le mois, il y a des gens qui disent qu'ils font $1,000 dans le mois, il y a des gens qui disent qu'ils font $2,000-$3,000 dans le mois. Et je ne dis pas ça ni pour me faire violer ni pour me vendre tête moins, même quoi Jean Gadi, bien aimé, connaît ça m'a dit, hein? Patrick Barthelmy, l'autre qui était fait cinéma, il a fait cinéma en Haïti. Attendez, hein? Écoute, ils font $700 dans le mois, dans le film, c'est un jouet lié. Ok? Parce que pourquoi nous dépenser pour nous faire un film, nous pas qu'à faire $700. Il y a un bon pour nous là. Pas oublier que en pile cinéma journée jeudi, encore une fois, c'est pas minimiser, ou non. C'est cinéma d'art que vous faites, ok? Qui veut dire que aspect financier n'est pas tellement important pour vous, parce que vous avez un message que vous voulez passer dans le film. Et c'est peut-être écoutez. Si les gens font $2,000 non mois sur YouTube, les gens sont bien contents. Ben, écoute, pour me faire un film, $2,000 non mois, pas qu'à régler un moins. Même $20,000, pas qu'à régler un moins. Pour ça que je connais, je vais le dépenser pour me faire un film. Donc, c'est peut-être ça qui cause que je peux faire transition parce que nous ne pouvons pas gagner un marché vraiment sur YouTube. Pourquoi ça me dit ça? Nous gagnons une première barrière de langue. Film nous yo yo fait en créole et même là yo t'a fait en français. Mais toujours gain sous-titres, ça pas un problème. Oui, mais film non mais indien sur Netflix. On pas parler de aspect artistique film non. M'a parler de aspect commercial. Combien haïtiens qui acheté online vraiment? C'est la question. Mais la question c'est que c'est haïtien qui est free anyway. Voilà. YouTube balle free. Oui. Il permet de garder publicité. Oui. Mais qui quantité monde parce que l'autre des que conseiller de monde qui a fait $70,000, $100,000 sur YouTube. Gardez pour qui publicité qui passé pendant programme qui a passé. Gardez dans programme haïtien pour qui publicité qui passé. Parce que là on a fait analytique pour déposer publicité dans un programme. Yo gade pou yo wè ki est ki gade, ki kategori moun ki gade. Yo gade ki pouvoir d'achat moun nan. Yo gade combien fois moun nan klik sou telle publicité et combien fois moun nan al achete nan telle publicité. Donc ça veut dire que communauté nan au niveau pouvoir d'achat, li très faible toujours jusqu'où y a là parce que malheureusement nous manquons organiser nous. Même au niveau politique, c'est la même chose. On va qui se passe Miami là, Trump il a arrêté lui, il a traduit devant le tribunal. Après ça, qui ça Trump fait? Trump descend dans un café restaurant cubain. Pour qui ça? C'est parce que politiquement, Cubain organisé, ils sont force politique au niveau de vote. Pour quantité haïtienne, nous avons qui dans le sud de Floride. Nous avons supposé représenter une force politique tout. Mais malheureusement, nous n'avons pas organisé, nous n'avons pas représenté force politique ça. C'est une raison qui fait que Cubain, ils ont influence sur la politique Washington. Nous-mêmes, nous manquons d'influence sur la politique Washington parce que malheureusement, nous n'avons pas organisé la CAI et les nous deux, nous n'avons pas organisé nous deux. Yo. Ok. Now, tout vous même, j'en dis, ok, nous clarifions les choses. Oui. Parce que je ne vais pas les stars, rumeurs, je ne vais pas commencer rumeurs. Vous dites que vous ne pouvez pas faire transition. Est-ce que son bagage qui possible à l'avenir. Oui. Donc, ou pas finir avec cinéma haïtien. Jamais finir avec cinéma haïtien. Good. Je n'ai pas acheté film toujours. Mais quand on a acheté film, qui fait moi acheter? Je acheté film, par exemple, et le dernier film que j'ai acheté, c'est Private Nurse. A Haitian movie? A Haitian movie.
Oui, est-ce que ça a mauvais petit toi, non? Bon, c'est petit moi qui réalise, okay. Mais c'est pas pour Lilier. Okay. Il est l'auteur du film. Mm-hmm. Donc, c'est son film en tant que réalisateur. Mais c'est lui qui m'achète, on a même propriétaire film là. Non. Quand on achète, c'est pas le format qu'on achète. On achète les droits. Mm-hmm. On va acheter movie. On va acheter droit movie. Non, I'm thinking, ok, moi-même, en tant que un consumer qui veut regarder un movie. Il est beaucoup disponible. Mais si tu as disponible, côté nous, tu ne peux pas regarder. Il y a plusieurs films qui sont déjà disponibles sur haïticinemaonline.com. Mais si il n'y a pas de monde qui connaît de Haïti Cinéma. Il y a des monde qui connaît, oui. Nous pas connaît. Il y a un pile qui connaît, mais non. Très peu acheté. Mais nous pas connaît. Ok. Eh bien, parce que longtemps, nous t'es rentré. haïticinemaonline.com. Exactement. Tout connaît la partie de l'édition. Exactement. Non, parce que il y a des monde. Des fois, quand, comme si on pensait à un movie ou bien on parlait avec des amis ou dans un cinéma haïtien, on veut garder mon pagne côté ou pas acheter. Longtemps, on était rentré dans un barbershop ou bien on va acheter un DVD. Yes. DVD presque pas à la mode. Donc, on peut pas regarder. Vous comprenez? Je me souviens, il y a quelques temps de cela, tout démonstrait que j'ai enjoy les regarder des movies comme ça, je me regarde déjà le fou. One of my favorite movies. Un peu le movie ancien, cinéma de jeune la donne. And then, par contre, ça passe, je ne pas gagner. Mais toutes les annonces de Haïti Cinéma, nous ne connaissons pas. Oui. Bon, Haïti Cinéma, c'est le premier website cinéma. Bon, toujours avant-gardiste. Depuis l'homme qui a fait Internet Lab, commencé, etc., j'ai découvert acheter Haïti Cinéma online. Okay. Parce que j'ai dit que bon jour, bon transition, pour le fait que monde peut acheter ces films. Mais majorité clientèle, nous, ils font tout ça. Ils ont besoin de regarder des films gratis sur YouTube. Oui. Il n'y a pas payé 4$, 5$ pour regarder sur un site qui paye. Pendant ce temps, même clientèle ça, la paye Netflix chaque mois. Il y a prêté tout. Il y a Netflix qui a mis avec celle-ci pour éviter à faire prêter. Exact. Mais si c'est ça, il y a des gens qui va payer, mais il y a des gens qui va payer. Oui. Un monde qui connaît qui va payer, c'est ma maman. Ok. Parce que les remets cinéma ici, les supporter cinéma ici, depuis la fête, vous comprenez? Mais il faut que connaître mes côtés liés. Parce que il y a une erreur que je réalise que nous faisons, nous toujours disons que les haïtiens ne peuvent pas supporter. En grand, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas supporter, ils ne peuvent pas chercher pour supporter. Je ne peux pas dire ça, non? Pour qui ça? Parce que de ma vie, les haïtiens toujours supporter cinéma ici. Les haïtiens toujours supporter. Pourtant, il y a des gens, parce que moi, je connais personnellement, je connais. Parce que je suis involved dans le cinéma haïtien et everything, but even before I'm involved, j'ai toujours envie. Depuis que le cinéma qui est sorti, j'ai envie, well, surtout si c'est comme si c'est un filmmaker, un directeur, un producteur, un acteur que j'aime, j'ai envie, well. Par contre, je ne peux pas dire même bagaille à la cousine, même yo. Premier bagaille que j'ai dit, haïtien pas contre un movie, haïtien fait pièce théâtre. Bagaille ça, oui. Chaque fois que j'ai dit, j'ai un rage dans le cœur. Mais j'ai une conversation avec. Un monde qui pas gain même expérience avant qui pas partager même passion ensemble avec vous un monde qui pas care pour movie ou bien pour movie haïtien pas comprendre que oh my god I go crazy comme si me freak out l'entend des baba vous comprenez ça me dire là par contre monde ça l'attend et Fast and Furious sorti 15e movie il a courir à regarder vous comprenez donc c'est ça gain pas gain monde tout film n'en sorti pas besoin qu'on n'importe monde sorti juste li aller li bay support là gen on bay faut nous comprendre haïtien qui en diaspora depuis jour traverser en diaspora li traverser en seule mentalité dans tête li li vinn sauver situation pour tourner la caille donc li pa nan amusement li pa nan faire cinéma. Et 98% haïtiens qui vivent en diaspora. Ce n'est pas film haïtien seulement, ils ne vont pas regarder dans le cinéma. Ils ne vont pas regarder le movie du tout. Même dans le cinéma, ils ne vont pas aller du tout quelque chose dans le film. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est peut-être ça, nous, business cinéma, c'est en Haïti que lié. Et tout autant Haïti pas arrangé politiquement pour bien ça, le cinéma qui est ouvert encore, business cinéma l'a toujours trébuché. Et. Je ne dis pas ça pour me parler frère à soeur, mais mal. Mais la majorité de mon ici, même si vacances, je ne vais pas prendre. C'est lever, aller travailler, à l'église, les samedis arriver, laver rad, faire maquette et puis aller travailler. Il y a tant de jours pour retourner à la caille. Exemple, premier administrateur
dans PVS. C'est mon compère, il baptisé petit moi, premier visa. Bon, nous c'est n'cap remet dans même cas, nous remet ensemble. Et premier parti monsieur, c'est moi qui bal visa pour le parti et puis l'autre parti, il te remet en dame depuis Haïti. Bon, me dit monsieur, mon cher pas un problème, ma cherche un l'ordre administrateur tout arrêté parce qu'il y a plus d'opportunités. Je dis ah, Renal. Deux trois jours m'a venir faire, il devait venir gérer affaire m'a tourner. Monsieur il a 40 ans ici. Et juste jour et jour, monsieur dit me l'a tourner toujours. Au monde qui vient ici ou achète un caill, faut payer caill là dans 30 ans, bon qu'il va tourner Haïti là. Au monde qui vient ici ou marié ou gain petit. Faut occuper petit monde jusqu'à 21 ans. Mm-hmm. M'pas dit 18 parce que américain occupé petit à 18 niveau il aller. Mm-hmm. Nous même haïtiens tout total pas fini collège, nous pas ouais là. Donc mentalité ça, son mentalité qui permet que nous pas fonctionnel dans pays autre côté que nous venir. Donc ça vient faire que même l'homme dès qu'on a fait cinéma, ça il me dit c'est icing on the cake, mm-hmm. l'aime pas son film en diaspora. Donc calculer combien haïtiens gagnent en diaspora. L'homme vient pas son film Miami. À l'époque, mon absouti vraiment dans le film. Si il fait 900 moun, 1000 moun, c'est un gros exploit qu'il y a. Alors, calculez combien de moun qui gagne dans Miami. Bah, je suppose faire n'importe moi, m'a passé film dans chaque jour et puis m'a fait 1000 moun chaque jour. Donc, en dehors d'Haïti, haïtien pas vraiment sorti. Ou ap jwenn très raka quand ou même qui dit ah non, moi même faut aller ah, ça son film baba faut aller ou ça c'est Samuel qui fait faut aller et moun nan toujours aller. Pas avec intention, bon mal regarde un bon film haïtien. Mm-hmm. Avec intention, bon mal supporter. Pendant ce temps, s'il parle de Fast and Fury, il ne pas dit bon mal supporter. Il parle dit bon mal détendre, bon mal regarde. Donc, il y a toute psychologie ça qui vient rentrer dans l'équation. Okay. Nous faisons aller en arrière. Tout ça, oui. On a commencé. Nous avons fait funérailles, nous avons fait chez USA, nous faisons infidélité. Nous vivons dans l'infidélité. Est-ce que, jeunes garçons toujours, right? Dans le moment où ils ont fait infidélité, ou toujours jeunes? Bon, avant de répondre à une question, ça va me poser une question. Je ne vais pas se poser une question. Vous ne pouvez pas poser une question, vous ne pouvez pas poser une question. C'est Diwab Dimon Gamon. Non, jeune. Oh, excusez-moi. Je ne vais pas oser tout bagage pour ça. Premier bagage, l'homme dit, Joël, dit Joël, je ne vais pas ajouter une perfect words, the word, you know, mot qui est parfait pour introduire Baba. Il dit, bon, vous connaissez Baba, son jeune, dit, oh. Ask him. Bon, Joël, tu es net là. Joël. Bon. Il dit non, l'homme tout ça comme si. Et puis la définit ça. Il dit, Joël, come on. M'pas le grand monde, non? Non, nous étions très jeunes à l'époque. Oui. Et infidélité, vini. Bon, femme de c'est moi qui écris infidélité. C'est moi qui écris chez ça. On nous parlait de tout de mouvement ça. Chez Ricoré ça avec. Avant nous parler de ça, femme de. Parce que je me fais en 91. L'époque. Chez vous, est-ce que vous avez une fidélité? Je ne peux pas te permettre de me garder. Je ne peux pas te garder. Qui ça que t'es inapproprié là? Ou pas trouver ça? Dans le moment ça que movie ça était inapproprié? Ou bien comme si toi t'es. Est-ce que c'est parce que nous avons une société qui est en retard? Ou qui peut accepter certaines choses? Donc, ou pas penser que. Pas une scène de nudité dans l'infidélité. Ni dans chéri quoi ça. Pas de tête yon fik paraître, pas de partie sexuelle on fik paraître, pas de scène côté que deux moun a fait bagay nu. Nu. Oui. Donc, la chose, c'est qu'on quitte le reste pour l'imagination. Donc, bien sûr, ben, oui. Donc, on va trouver que peut-être que dans un moment, la société a pourquoi paré pour nous te recevoir. Chéri, quoi, ça te choqué, monde, c'est parce que c'est la première fois deux Haïtiens à beau à l'écran, bouche sous bouche. C'est ça que te choqué, société. L'autre monde, je dis, a réfléchi à ça, a dit, bon, mais je regarde des films dans le bar, ça me gagne. Bon, dis-le, fun fact, jusqu'à présent, Haïtien toujours met dans la tête, dans le cinéma de Mounbo, c'est coup de caméra. Parce que je me sens, j'ai un gonzon même qui m'a dit, et dans le movie, dans après le mariage, dans scène côté Uberman, pour aller tuer le caractère, il est beau avant de tuer. Okay.
comme si vous vous mettez à vrai. Il y a toujours un autre. Je ne sais pas quoi, coup de caméra. Je me dis comment coup de caméra. Comment on va faire coup de caméra ça? Donc, il y a toujours maintenant tête, il n'y a pas supposé faire. Vous comprenez? Oui, nous, tant que gens. Je ne vais pas dire nous, tant que gens. La communauté haïtienne, nous, comme ça, nous, tant que gens, comme si vous fermez d'esprit. Oui. Mais tout le monde est toujours très ouvert d'esprit. Oui. Et, ou t'es tellement ouvert d'esprit, ou t'es fait jamais dodo. Oui. Donc, parlez-moi de jamais dodo. Like, qui ça qui, on connaît une critique quand même, l'autre fait jamais dodo, non? Un pile critique, hypocrite. Mm-hmm. Parce que tu es still enjoy it. Et bon, de télévision nationale d'Haïti, et directeur a été voué mon stage au Canada. Mm-hmm. Avec un autre technicien dedans, qui était le Roni. Et dans le stage que nous avons fait au Canada, pendant que nous avons fait au Canada, il y a une station que nous avons regardé pendant ma roue qui, le samedi soir, a une émission le samedi bleu. Mm-hmm. Programmation station pour tout le monde, il y a des petits monde par exemple, mais le samedi soir, il y a d'autres carrément, à 10h du soir, c'est une émission pour adultes. Mm-hmm. Donc c'est ça que tu es toujours dans les têtes. Moi, il me faut quand même connaître que ma bien station. Donc tu as déjà envie de côté ça à Haïti? Oui. Pour qui oui. ça? Et pourquoi pas? Mais pourquoi? Attendez, si une station offre tout type d'émission, pour ça grand monde n'a pas qu'à gagner leur pari autour. Si à 6h du soir, il y a une émission tout le monde. Si le dimanche matin, dimanche après-midi, il y a une émission évangélique. Si samedi après-midi, il y a un sport. Mm-hmm. Pour qui ça, il n'y a pas qu'à une émission grand monde le samedi soir. Avec avertissement, bien sûr. Ok. Parce que, à l'époque, ça te arrivé que TNH te connu sur HBO. Mm-hmm. Et puis, Gwolan mou ap tombe à 10h du matin, personne pa wè sa, c'est le wè sa, yo kouri retire l. Mm-hmm. Par contre, moi même mwen te di moun yo, attention, le samedi soir, jamais dodo commence à 10h, à minuit, c'est film pour grand monde. Assurez que ti moun pa gade télévision. Un, c'est ton façon pour me forcer moun yo contrôler télévision. Mm-hmm. Parce que moun yo toujours met en tête, yo, que depuis mba y ti moun na télévision, que ti moun n'a pas nuit man. Donc, il faut surveiller qui ça t'a regardé. Et on a remarqué que ça t'est fait. Tout le grand monde, de bout en bout, 10h du soir, samedi soir, il a fermé la télévision dans la chambre, il a assuré que Timoun n'a pas regardé la télévision à l'heure ça. Bon, on a tout remarqué que ça t'est fait. Again, on fait en 91. Oui. Samuel qui parle de jamais dodo. Oui, jamais dodo. Donc, bon, Samuel, you know what, on peut mettre déjà faire Samuel. Samuel de yo. Non, on connaît, c'est non jamais dodo là prendre en pile bagage. Il dit c'est ça, il dit ça, il dit que ouvert esprit non on parle bagage. On fait ceci d'être. Anyway, j'ai un pile dame mariée que me rencontrer en diaspora ici et puis il dit moi ah, baba si on met précision sur mari une journée je dis jamais dodo. OK. Donc on fait ouais non sens. Bon pas qu'à dire non sens. On fait bagage positif parce que ou bail moun yo te ka besoin ça ou pas même connait si ou te besoin ça mais ou ba oli nan yon nan ka côté yo ka still gen et privacy ya et puis yo contrôler tout pour apprendre connait que comme nous c'est ton tactique publicitaire lié tout. OK. Parce que connaissant l'hypocrisie chez l'haïtien qui j'aime d'avoir annoncé que bon station ka pour TNH pas d'avoir annoncé le moins et gen l'autre radio que tu besoin faire télévision et pour que licence pas d'avoir annoncé le moins. Donc, on connaît l'hypocrisie haïtienne. On connaît comment on va te marcher dans la rue. Chèque, baba, ça, c'est pas possible. Oh, ça me suffit encore. Non seulement, je fais qu'on a une vieille fille, je ne fais jamais dodo là, le samedi soir, la passe dans l'iPod. Qui station va parler? PVS, Canal 16. Mais ça, PVS, Canal 16, là, comment on prend? Ou on tient tel watch, on connecte au voie sous U. Et pour vous, sous 7, ah, nek baba ça, monsieur enragé. Comment monsieur fait faire? Demain matin, je descends de la ville, là, je suis en train pour le caprin. Parce qu'il faut prendre jamais de l'eau. Donc, ça, il marche, tactique dans tes marchés. Marché. Écoute, en 2 semaines, tout le monde connaît PVS. Est-ce que vous pensez que Choua a été un succès? Ouh, Choua a été deux parties là-dedans. Mm-hmm. Il a été une partie talk show là-dedans. Mm-hmm. Et puis, il a été à partir de minuit, partie adulte là. Et, bon exemple de Choua. Roger Lafontaine, depuis 1986, qui a quitté Haïti. Là, Roger voit Lafontaine tourner en Haïti. Au moment du premier show qu'il a passé, son interview, n'a jamais dodo. Ok. Mais là, nous faisons partie de ton show. Est-ce que invité à aller te garder? Non, invité à aller. Ok.
invité à aller. Et puis, quand nous avons annoncé, attendez, dites-nous tout oui ça. Ben, vous allez commencer quand nous là, dégagez-nous, fermez la télévision, nous sommes responsables, non. Si nous ne sommes pas responsables, si nous connaissons ça, et puis, bon, ben, est tombé jusqu'à 6 heures du matin. Elle était un succès, oui. Bon, dimanche matin, elle était 11 heures du matin. Je suis monté sous le boudon et puis tu as un petit blocus. Et puis, ou te yon pas qu'on époque ça, mais c'est époque, les chercheurs, te gon ti Peugeot qui gon bac pas derrière, et puis Peugeot sa yo, c'est derrière sa yo, te gon transporte chercheurs yo. Donc, gen 8 chercheurs qui chita derrière un Peugeot, et puis moi même, moi derrière yo, te gon ti blocus. Et puis moi, un chercheur qui garde le fond, le li, ouais, c'est moi, et puis je dis, garde jamais dodo. Non! Chasseur qu'on n'a jamais donné. Oh, oh, et puis l'autre chasseur dit, oh, passe le livre. Non. Ah, non, assurez que c'est pas dit, talk show à seulement au téléphone. Sérieusement. Jean-Yorien, c'est pas dit, talk show à seulement au téléphone. Vous gardez tout choix. Vous gardez tout choix. Et son show tellement de succès que le show a été fini à 6 heures du matin. Elle dit, dernier film n'a pas passé, fini à 6 heures du matin. Okay. Et tu arrives en époque, et sacré cœur, t'es moitié vide à 6 heures du matin, à 8 heures du matin, non, mais 8 heures. Mais nous visite. Bon, non, il a dormi, c'est dormi tard. Il a dormi tard. Ok. Est-ce que quand il y a là, alors, regardez, nous, fin fait jamais dodo, nous commencer, venir ici, t'as fait plus movie. Est-ce que il y a un projet qui a dit que, ou regret ou t'es fait, ou bien comme si quand il y a là, de, ah, si c'était quand il y a pas d'appel? Je pas que j'en regrette en Ok. Parce que dans la vie, même ça qui allait mal pour vous, son expérience liée qui permet d'améliorer tout. Donc, beaucoup de gens qui dit qu'un film je regrette ou bien une décision que je prends, que je regrette. Même si il y a des gens que je aidé et puis qui prennent des décisions contre moi, je ne parle pas de ça, regret, ça fait partie, ça fait partie de la vie. Okay. Mesdames et messieurs, tant que Jean Noël là, wo mon temps pour baba nous tellement gain en pile pour nous apprendre de lui pour nous ka apprendre sur ça li fait et parcours li nan milieu haïtien nous pas ka juste fait show dans un seul parti donc m'a bay nous rendez-vous yon l'autre fois pour suite show.